oazambe yesua mosusu te bobele yo oaa nzambe yesua bobele yo aza nzambe ya kocikala nzambe aza nzambe ya kovumgba maka te chalon peple deje Partout nous sommes, que les saints d'Israël vous bénissent. Que les saints d'Israël vous bénissent. Ça fait très longtemps. Mais nous bénissons les Père saints pour sa miséricorde envers nous, pour sa présence, pour sa protection divine. Alléluia. Que les saints d'Israël vous bénissent, vous bénissent, vous bénissent partout nous sommes, mes bien-aimés. Aujourd'hui, par la grâce du Tout-Puissant, nous sommes là encore pour partager la parole de Dieu pour partager la parole mes bien-aimés, invitez les vidéos et partagez des vidéos, invitez les saints vous bénira. Alléluia. Aujourd'hui, on va parler de un thème très capital. C'est un thème qui est titulé « Tenez ferme dans votre foi et honorez Yahvé ou honorez Elohim dans chaque décision de votre vie. Et on aurait, il y avait dans chaque décision de ta vie. Parfois, on voit que, avant que tu fais quelque chose, tu penses si je fais ceci, est-ce que mon père sera content Si je fais cela, est-ce que ma mère sera contente Donc, on voit d'abord, avant de faire quelque chose, de penser à quelqu'un. Mais parfois, on oublie de penser à Elohim qui nous a créés. Alléluia. De penser à Elohim qui nous a créés. Aujourd'hui, on veut parler sur le livre de Daniel. Presse de l'autre. Sur le livre de Daniel pour chacun de nous. Alors, pour nous informer, nakobanda comme mixer un peu lingala, un peu français parce que je ne peux pas seulement le faire en lingala. Je ne peux pas non plus seulement le faire en français parce qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent, qui me demandent. Parfois, c'est pour cela que vous voyez que ça me donne un peu la confusion de faire des vidéos parce que parfois, je ne vois pas en lingala, en anglais, en français. Beaucoup de gens qui me demandent, mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on est là pour les faire cette vidéo, mais bien aimé, pour édifier comme la parole nous dit que la parole de Dieu est là pour nous édifier, pour nous corriger, pour nous droiter, pour nous enseigner. Aujourd'hui, on est là à partager cette parole des livres de Daniel. On va prier pour commencer notre prière parce que notre Dieu est toujours en avance, mais bien aimé. On va prier au nom de Yeshua, notre Père qui est aussi, que ton nom soit sanctifié. Papa, merci parce que tu es Dieu. Ta parole nous dit Seigneur, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Dans ce moment, Seigneur, enseigne-nous ta parole. Ouvre nos, nos, nos oreilles, Seigneur, pour t'attendre. Parle à chacun, chacun de nous. Saint-Esprit de Dieu, prends contrôle de toutes les choses. Seigneur, parce que tu es Dieu. Chacun de nous qui doit suivre cette vidéo, Seigneur, manifeste-toi dans nos vies, dans nos familles dans le nom puissant de ton fils Iniki, Yeshua, Hamashiach. nous allons s'y prier Amen pendant que mes bien-aimés pendant que nous lisons cette histoire de Daniel alléluia. pendant que nous lisons cette histoire j'aimerais que j'aimerais que nous gardons dans nos, dans nos esprits que la, le véritable héros de ce livre de Daniel c'est Elohim lui-même mes bien-aimés Tellement que nous sommes habitués aux histoires qui soulignent la fidélité de Daniel et ses amis, mais parfois nous oublions que d'exacter la fidélité de celui qui a guidé et soutenu ces quatre jeunes hommes à lutter contre la puissance de la pire babylonienne. Donc notre Dieu qui a créé les cieux et de la terre, notre Dieu qui nous a créés dans son image, notre Dieu qui nous a appelés, notre Dieu qui nous a transformés, notre Dieu qui a créé toutes les choses, c'est lui l'auteur de cette livre. C'est lui qui était avec Abraham nos pères. C'est lui qui était avec Isaac, avec Jacob et Israël. C'est lui qui a fait sortir les enfants d'Israël dans la pays d'Égypte. C'est lui, mes bien-aimés. Il n'y a pas d'autre Dieu. Alors aujourd'hui, on va parler de cette histoire de Daniel avec ses amis. On va lire dans le livre de Daniel, Daniel 1, des premiers versets jusqu'au 21e verset. On peut lire ensemble, mes bien-aimés. Prenez ton stylo. Prenez ton Bible pour écrire pour la gloire du Tout-Puissant. Alléluia. On va lire Daniel 1. Daniel 1, de 1er jusqu'à 21e. Que le Père se bénisse chaque personne qui est entrée, invitez mes bien-aimés, que le Seigneur vous bénira. Alléluia. Nous lisons la parole de Dieu. La troisième année du règne de, de Jéjochim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et la siégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie de l'objet de la maison de Dieu. Il les amena au pays de Chinéa, dans la maison de son Dieu. Et il mit les objets dans la maison du trésor de son dieu. Le roi dit à la chypnase, chef, chef de ses iniques, d'amener quelques-uns des Israélites, des races royales ou des familles de dignité, des, des jeunes, garçons sans défaut corporel, de belles apparences, doux, de toute sagesse. D'intelligence et d'instruction, capable de servir dans le palais du roi, et à qui l'on enseignera les lettres et la langue de Chaldé. de Chaldé. Alléluia. Le roi leur fixa pour chaque jour une portion de mètre de sa table et du vin dont il bouvait, voulant les élever pendant trois ans, au bout desquels il se tiendra au service du roi. Il avait parmi eux, d'entre les fils de Judas, Daniel, Ananias, Michael et Azaria. Les chefs des Uniques leur imposa des noms Daniel, celui de Bethshaz, et Ananias, celui de Shadrach, et Michael, celui de Meshach, et Azaria, celui de Abednego. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par les vins dont le roi buvait. Et il supplia les chefs des iniques de ne pas l'obliger à s'essuyer. Dieu fit trouver à Daniel faveur et compassion devant les chefs des Inique. Les chefs des Hyniques dit à Daniel :« Je crains, mon Seigneur, le roi qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrez-vous verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge et exposerez-vous ma tête auprès du roi? Alors Daniel dit à l'intendant à qui le chef de inique avait remis, avait remis la surveillance de Daniel, Alléluia. de Ananias, de Abed, de Michaël. Et à Nazaria. Alléluia. Et à Nazaria. Éprouvez donc tes serviteurs pendant dix jours et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et le visage de ces jeunes gens qui mangent les maîtres du roi et tu agiras avec servitude. D'après ce que tu auras vu, il est accorda ce qu'il demanda et l'éprouva pendant, pendant dix jours. Au bout de dix jours, il avait meilleur visage, plus d'approprié que tout. Que tout. Alléluia. Plus d'approprié et d'un bon point que toutes les jeunes gens qui mangea les maîtres du roi. Désormais, l'entendant emportant en les maîtres et les vins de leur repas. Il leur donna les, des légumes et de l'eau à boire. Dieu accorda à ces quatre jeunes gens de la science, de l'intelligence concernant dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliqua toutes les visions tous les rêves au terme fixés par le roi pour les amener, les chefs de Ennick les amena à la présence de Nebuchadnezzar. Le roi s'entraîta en, avec et, et, parmi tous ces jeunes gens, il ne se trouva aucun comme Daniel, Ananias, Michael et Azaria. Il se tient donc au service du roi sur tous les sujets qu'il déclara qui réclama de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogea, il les trouva dix fois supérieurs à tous les magistrats, des magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Ainsi fit Daniel jusqu'à la première année du roi Syria. Alléluia. On voit que la parole nous dit... qeavai n livré entre les mas de babylonien roi jojakin etquelques peuple d'israël die l'a livré et ils ont amené roi jojakin dans la maison dans babylone et quelque objet de la maisoe à la maison de leur dieu Donc Chinia qui signifie les l'ancien nom de Babylone pour dire que Chinia c'est un pays étranger, un pays qui n'était pas des enfants d'Israël, un pays qui n'était pas pour eux mais l'Éternel l'a livré entre leurs mains. Nous voyons que ces quatre jeunes hommes l'air arrivant à Babylone, mais bien-aimés, ils ont ils ont fait face à un défi qui était très difficile à leur foi et à leur conviction, parce que ils viennent de Jérusalem. Alors en venant à Babylone, ils ont ils ont vaincu très difficile des euh, difficultés qui est passé leur entendement. C'est qu'on peut dire, voyez lesquels qui même maillent les nabango. Oh bakokaï comme on a tel ou linge à côté ça là. Oh bakokaï comme on a tambola. Donc ces quatre jeunes ont été sélectionnés par les rois. Ont été sélectionnés pour suivre une formation de trois ans, mes bien-aimés. De suivre une formation de trois ans pour et être capable de travailler au palais royal. Au palais royal. Pourquoi? Pourquoi les rois ont choisi ces gens afin de travailler dans sa maison? Pourquoi le roi a donné seulement, les euh, la formation, bien, l'enseignement pour trois ans, afin d'être les travailleurs dans sa maison, mes mais bien-aimés? Le roi a choisi. Le roi a choisi ces gens. Après ce qui était très important, la parole nous dit, ils ont changé leur nom. Ils ont changé le nom de Daniel et ses amis. Pourquoi le roi a voulu, bien, pourquoi les chefs des Uniques ont voulu de changer leur nom? Les noms, premièrement, c'était une identité de quelqu'un. Les noms, c'est une identité. Si on, on, on te demande les noms, tant que tu as nom, tu as une identité. Alors, leur identité, ça présentait les noms des de dieux d'Israël. Daniel et euh, Michael, ils avaient les noms qui signifient Elohim, et Ananias et Azaria. Ils avaient les noms qui signifient Elohim. Donc, ils avaient des noms de les saints d'Israël. Alors, à Babylone, il a voulu, les rois de Babylone, ils ont voulu changer leur nom pour étouffer, pour les faire voir oublier leur identité, pour les faire voir oublier leur Dieu, leurs ancêtres, pour les faire voir oublier leur façon de marcher avec leur Dieu. C'est ça qu'elle attendait de faire. C'est ça qu'elle voulait de faire. Mais gloire soit rendue à notre Dieu. Parce qu'à propos des noms, la parole nous dit, Daniel n'a rien dit. Daniel n'a rien commenté et ses amis, ils n'ont rien commenté à propos des noms, mes bien-aimés. Mais ce qui était très important, le roi a insisté à propos de la nourriture. Le roi a insisté que chaque jour, il devait manger dans sa table et boire les vins du roi, mes bien-aimés. De manger à la table du roi. Manger de la nourriture du roi avait de l'application profonde dans l'Antiquité, mes bien-aimés. Manger dans la table du roi, cela signifie un aliment total au roi. Et la dépendance du sujet à son égard, à manger la nourriture du roi, la nourriture des rois était une nourriture qui était consacrée au l'air dieu. La nourriture des rois était une nourriture qui était abominable. La nourriture des rois qui était une nourriture que ce n'est pas tout le monde qui pouvait manger. Ce n'est pas tout le monde, bien aimé. À manger la nourriture des rois, ça, ça montre que... Ça pouvait vous laver, comme la parole nous dit, la signification de la manger, la nourriture du roi. La nourriture était habituellement, en fait, au dieu de l'Empire, de manger la nourriture du roi, mes bien-aimés. Comme la parole nous dit, la nourriture, il avait aussi une signification religieuse profonde. Cela signifiant que, évidemment, l'acceptance, l'acceptation et la participation... Au système des kilt du roi dont en mangeant la nourriture du roi tu vas comment on dit on me pèse au coachina na n'alliance nabango n'alliance oez à alliance ya oh, roi donc tu acceptes tout ce que le roi va te dire de t'accepter tout ce que et le roi va te demander d'accepter leur culte, d'accepter leur engagement, d'accepter tout ce que le roi va faire en mangeant la nourriture du roi, mes bien-aimés, en mangeant leur nourriture. Et la parole nous dit, en mangeant la nourriture du roi, qu'on ne peut pas les manger, on ne peut pas les toucher. Mais la parole nous dit, vous êtes les enfants d'Elohim. Votre Yahvé, vous ne mangerez aucune chose abominable. Alors je pense que Daniel et ses amis, ils avaient la connaissance de la parole de Dieu. Ils avaient la connaissance de la parole de Dieu. En savant que on ne peut pas manger n'importe quelle nourriture. On ne peut pas toucher n'importe quelle nourriture. Parce que notre Dieu nous a interdit de les manger. Parce que notre Dieu nous a interdit de les toucher. Mais si on regarde bien, ce n'était pas mauvais de manger la nourriture du roi. Qu'est-ce qu'on pouvait dire maintenant Que non, on peut les manger parce que c'est Dieu lui-même qui nous a envoyés ici. Parce que c'est Dieu lui-même qui nous a livrés entre leurs mains. Donc on pouvait les manger. On pouvait les prendre. Mais Daniel et ses compagnons, mes bien-aimés, ils se trouvaient dans une circonstance très difficile de rester fidèles à Elohim ou bien d'obéir à la voix des hommes, ou bien d'obéir à ce que les hommes sont en train de dire, ou bien d'obéir à leurs amis. Mais la parole nous dit, dans le livre des Romains, Romains 6 et 16, il nous dit, Ne savez-vous pas que quand vous livrez à quelqu'un comme un esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez Soit du péché qui amène à la mort ou soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Donc Daniel savait que on pouvait pas seulement obéir et je crois aussi Daniel savait que à partir de la nourriture c'est ça que le péché était entré dans le monde. Daniel savait qu'à partir de la nourriture, c'est ça que le péché est entré dans ce monde. Parce que Elohim nous a dit de ne pas toucher, mais Adam et Eve, ils ont touché, ils ont mangé ce que Elohim a interdit. Ce que Elohim a interdit, ils ont mangé. Alors Daniel et ses amis, ils ont compris cela. Ils ont dit, non, on ne peut pas les manger parce que les saints d'Israël nous a interdit de manger. On ne peut pas de boire ce que le roi buvait parce que les saints d'Israël nous a interdit de toucher. Mais aujourd'hui, mes bien-aimés, nous touchons, nous mangeons ce que Elohim nous a interdit. Nous touchons, nous mangeons, sans même regarder dans les saintes écritures. Qu'est-ce que Elohim nous a dit Qu'est-ce que Elohim nous a interdit de toucher Qu'est-ce que Elohim nous a dit de ne pas manger On mange tout, on boit tout, dont on n'a même pas de contrôle. On n'a même pas de contrôle à regarder. Mais la parole nous dit, Daniel et ses amis avaient devant une occasion de promotion, mes bien-aimés.

de travailler à la maison du roi, de devenir l'officier royal, de, de, de changer leur mentalité, de changer leur mode de vie, de changer leur comportement, de changer tout autour en en tout d'eux. Ils pouvaient le faire, mes bien-aimés. Ils pouvaient aller le faire. Mais la parole nous dit que Moïse et, et, et qui, Daniel et ses amis, ils ont refusé. Comme la parole nous dit, dans le livre de Pissom, pardon, dans livre de dix 119, 72, si je ne me trompe pas, Daniel dit, mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que mille objets d'or et l'argent. Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que mille objets d'or et l'argent. Quelque part, dans le Proverbe 23, la parole nous dit... Proverbe 23, 8, si je ne me trompe pas. Il dit, l'Élohim me dit, mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se placent dans mes voies. Donne-moi ton cœur et que tes yeux se placent dans mes voies. Alors Daniel et ses compagnons, ils ont donné leur cœur en Dieu et leurs yeux. Regardant à la voix de l'éternel, regardant à la parole de l'éternel. Peut-être si je dis à la voix de l'éternel, peut-être vous entendez que l'éternel peut vous dire qu'elle ne mange pas, qu'elle ne touche pas. Non, ce n'est pas ça, mes bien-aimés. Quand on lit la parole de Dieu, c'est ça sa parole, c'est ça sa voix. Ce qu'elle a déjà dit, c'est déjà là-bas, mes bien-aimés. C'est déjà là. Si c'était toi et moi, Qu'est-ce qu'on pouvait dire? On peut dire non, ça ne fait rien. On peut seulement manger la nourriture du roi. On peut seulement boire des vins du roi. Parce que c'est Yahvé lui-même qui nous a livré dans cette place. Parce que c'est Yahvé lui-même qui nous a livré au met des Babyloniens. Donc ça ne ça fait rien. On pouvait seulement manger. On pouvait seulement prier. On pouvait seulement sanctifier la nourriture. Après, après mes bien-aimés. Mais la parole nous dit. Manger à la table du roi. Mais bien aimé, c'est bien. Mais après, tu vomiras les morceaux que tu as mangés. Et ensuite, tu dois perdre tes propres agréables tes propres agréables tu dois les perdre pourquoi parce que tu es allé pressé de manger à la table du roi tu es allé très pressé de toucher la nourriture du roi tu es allé trop vite de prendre ce qui n'est pas de toi de manger ce qui n'est pas de toi ce que tu n'es pas obligé tu n'es pas permis de manger c'est ça que les gens mangent aujourd'hui, mes bien-aimés. C'est ça que les gens mangent aujourd'hui. Mais la parole nous dit, Daniel a refusé. Daniel a résolu, a dit non, non, non. Je ne veux pas être souillé par des maîtres du roi. Je ne veux pas être souillé par les vins que le roi est en train de boire. Je ne veux pas être souillé, mes bien-aimés. Daniel a refusé d'être souillé par la nourriture du roi. Il y a certaines nourritures que nous sommes en train de manger. Ça nous donne des malades. Il y a certaines nourritures que nous sommes en train de manger. Ça nous donne la mort. Il y a certaines nourritures que nous sommes en train de manger. Ce Elohim nous a interdit de manger. Ce qu'Elohim nous a interdit de manger, mes bien-aimés, Daniel et ses compagnons, leurs yeux était sur la voix de l'éternel. Leurs yeux étaient sur la parole de l'éternel. Leur cœur était sur les dieux d'Israël. Il était ferme dans leur foi. Il était ferme dans leur foi. Et leurs yeux, il était toujours dans la parole. Il dit bien pour nous d'honorer Elohim. Dans chaque décision de nos vies, que d'aller vite, que d'aller s'embrasser à la richesse de ce monde. Comme David a dit, mieux vaut pour moi la loi de ta bouche, que mille objets d'or et l'argent. Tant que nous oublions la loi de la bouche de l'éternel, nous mettons la loi de la, de la bouche de l'éternel dans notre dos. Mais ce que nous mettons dans nos yeux, c'est la richesse de ce monde, c'est l'or et l'argent. Nous voulons beaucoup gagner. Nous voulons prendre les richesses. Nous voulons être connus partout. Nous voulons être en haut là-bas. Parce que Daniel, il pouvait aussi aller. Il dit dans la maison des rois, on doit aller là-bas. On doit être avec les rois. On pouvait manger la nourriture. Qu'est-ce que ça va nous faire? Daniel pouvait aussi dire, mais c'est lui-même qui, qui nous a envoyé ici on va seulement les sanctifier la nourriture on va sanctifier la nourriture après on peut manger on peut sanctifier la nourriture après on doit les manger on doit les rendre grâce mes bien-aimés après on doit manger mais la parole nous dit dans le livre des 1 Corinthiens apôtre Paul a dit tout est permis mais tout n'est pas utile mes bien-aimés tout est permis mais tout n'est pas édifiant vous pouvez tout manger mais après, après mes bien-aimés, mais Daniel a résolu de ne pas manger, de ne pas toucher à la viande, bien à la, à la maître du roi, aux nourritures du roi, parce que c'était une nourriture consacrée aux idoles, parce que c'était une nourriture qui était sacrifiée aux idoles. Il ne pouvaient pas les manger. Pourquoi Parce que avaient la crainte des saints d'Israël. Pourquoi Parce que leur cœur était vers Elohim, leur foi il disait à elle même on ne veut pas être souillé par les maîtres alors quand ils ont dit au chef des des il dit ne m'efforce pas ne m'efforce pas d'être souillé par les maîtres mes bien-aimés je ne sais pas et l'on force à la souillée. Et l'on y a une force à parce qu'on est sous mon cas. Et l'on y a force bien-aimés. Parfois, c'est les chrétiens, les fidèles de cette qui sont en train de te forcer, d'être obligés d'être souillés. Qui sont en train d'être obligé d'être suivis par les maîtres de ce monde, par les choses de ce monde, de ne pas obéir à la voix des personnes, de ne pas marcher selon la parole de Tout-Puissant, de ne pas mettre la parole de Dieu à pratique, de suivre ce qui est en train de passer dans ce monde. C'est ça que nous aimons. C'est ça que nous aimons faire mes bien-aimés. Mais la parole nous dit, Daniel a dit à, à cet chef unique, il a dit, essayez-nous pendant dix jours. Essayez-nous pendant dix jours, tentez-nous pendant dix jours et après tu regarderas. Éprouvez donc ta serviteur pendant dix jours qu'on nous donne des légumes et de manger et de l'eau à boire. Donnez-nous seulement des légumes et de l'eau à boire pendant dix jours et après tu regarderas. Ensuite, notre visage est le visage de ces jeunes gens qui mangent des maîtres, les maîtres du roi, les maîtres du roi, et tu agiras avec tes serviteurs après ce que tu auras vu. Daniel avait la foi avec Dieu. Ils avaient la foi avec l'air Eloyim. Batala kina kondima, me bien aimé. Batala ki te ke mboka oto yeto zaba paya. Comme on dit dans notre langue, on dit, so ki auken mboka. Y'a qui gauche, yo pe bina gauche. Ce qui droite, yo pe bina à droite. Mais la parole nous dit, si tu vas quelque part dans les pays que l'Éternel te donne, ne marche pas selon les gens de ce monde de ces pays là. Ne danse pas selon les gens de ce pays là. Tu vois la contradictoire. D'autres disent nos parents disaient, si tu vas là-bas ou danser à droite, toi aussi essayer de danser à droite, danse à gauche s'ils sont en train de danser à gauche, mais la parole nous dit on ne peut pas le faire ça, si les gens-là marchent à gauche, toi tu ne peux pas leur suivre, tu vas seulement rester dans ta position, c'est ça que Daniel faisait avec ses amis, c'est ça que Daniel faisait avec ses compagnons, ils ont refusé de manger la nourriture du roi, et la parole nous dit la parole nous dit le roi leur accorda au bout de dix jours il avait meilleur visage plus d'un bon point que tous les jeunes gens qui mangeaient les maîtres du roi au bout de dix jours leur vis, 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 visage était très bon par rapport aux gens qui mangeaient les maîtres du roi après cela la parole nous dit que désormais les le chef de Nick, il commença seulement à leur donner des légumes, mes bien-aimés. Balia légumes dans maille Pendant trois ans, pendant trois ans, Daniel et ses amis, ils étaient à l'université de Babylone, mes bien-aimés. Ils ne mangeaient rien que légumes et de l'eau. Rien que les mes bien aimés, ils ne mangeaient pas les viandes, ils ne touchaient pas les mythes. Pourquoi Parce que leurs viandes étaient consacrées aux idoles. Ma viande, viande, il y a des gens qui ont été idoles, il y a des gens qui ont été consacrés aux Alors, il était abominable, il ne pouvait pas les manger, mes bien aimés. Mais aujourd'hui, en tant que peuple de Dieu, mais aujourd'hui, en tant que les enfants de Dieu, mais aujourd'hui, on est là, mes bien-aimés. Regardons-nous. Quelle nourriture vous, vous mangez Tolia canini. la canini. Ce que Yahvé a dit, vous ne devez pas le toucher. C'est ça que nous aimons manger. Ce que Loïm a dit, ne mange pas, ne touche pas, c'est abominable. C'est ça que nous mangeons. Tosakolia bangulu. Bangolo. quoi encore? Malangwa. Ce qui est interdit de la parole de Dieu. Ce qui est a dit que vous ne devez pas les toucher. Vous ne devez pas les manger. Mais vous êtes en train de manger. Mais Daniel et ses compagnons et ses amis, ils ont compris qu'en mangeant... C'est là où que le péché est entré dans le monde. En mangeant, c'est là où que la mort est entrée dans, le, dans ce monde. Désobéissance à la parole de Dieu. C'est ça qui a mené la mort. Désobéissance à la parole de Dieu. C'est ça qui a mené le péché, mes bien-aimés. Vous êtes là, mes bien-aimés, en train de me suivre partout dans le monde entier. Partout où vous êtes, mes bien-aimés. Regarde-toi toi-même. Et là, on est Et là, on Comme Daniel a dit, ne m'obligez pas de souiller. Ne m'obligez pas d'être souillé par les maîtres. Ne m'obligez pas d'être souillé. Ne m'obligez pas, pas, mes bien-aimés. Ni ne m'obligez yo. Et là, on est de et ce Mi Pembe tu es C'est que Yahvé a dit que vous ne devez pas faire ceci. C'est ça que nous sommes en train de faire. Mes bien-aimés, repentons nous repentons nous mes bien-aimés. Yeshua revient bientôt. Yeshua revient bientôt. repentons nous mes bien-aimés. repentons nous Nous devons marcher selon la parole de Dieu. Nous devons marcher selon... C'est ce qu'Elohim nous a demandé. Nous devons obéir à sa parole et non aux hommes, mes bien-aimés. Daniel et ses amis, ils ont refusé d'obéir à la voix de Nebuchadnezzar. Ils ont refusé d'obéir à la voix du roi de Babylone. Ils ont refusé, mes bien-aimés. Ils ont resté fermes dans leur foi. Ils ont honoré leur Dieu dans chaque décision de leur vie. Ils ont honoré Elohim dans chaque décision de leur vie. Ils ont resté fermes. Ils ont tenu ferme dans leur foi, mes bien-aimés. Ils ont tenu ferme dans leur foi. Malgré tout, ils n'ont pas regardé que nous sommes les visiteurs. Nous sommes les étrangers. Nous sommes les esclaves. Dans ce pays, on pouvait nous tuer. On pouvait nous faire tout ce qu'ils pouvaient faire. Mais ils n'ont pas regardé à ça. Ils ont seulement regardé leurs figures, leurs yeux à la parole de l'éternel. À la parole de l'éternel, mes bien-aimés, ils ont refusé d'obéir à la voix des rois. Ils ont refusé, mes bien-aimés, d'obéir à la voix des Nébuchadnezzars. La parole nous dit, après trois ans de l'étude, après trois ans à l'université de Babylone, après trois ans, mes bien-aimés, à l'université, et la parole nous dit, <coughs> après trois ans d'information, la parole nous dit, les chefs d'unique, il a amené ces quatre hébreux auprès des rois, devant les rois, pour examen final. Ils sont non seulement, non seulement travaillés, non seulement meilleur dans leur santé, non seulement beau comme le roi avait demandé, mais la parole nous dit ces gens, ces gens, la parole nous dit, le roi s'entraîna avec eux, et parmi tous ces jeunes gens, il ne se trouva aucun comme Daniel, Ananias, Michael et Azaria. Il se, ils se donc au service du roi. Ils étaient au service du roi. Pourquoi? Parce que tout ce que le roi a demandé, tout ce que le roi avait demandé, ils ont trouvé ça à l'air à Daniel et ses amis. Quelque part, mes bien-aimés, le roi Nebuchadnezzar semble se comparer à Elohim. Semble se comparer à Elohim. Dans la, dans la mesure où il exigeait des qualifications similaire pour ceux qui veulent servir dans son palais. Donc, tu ne peux pas aller servir dans la palais du roi. J'aime, mon, mon yaya parle, tu ne peux pas marcher, marcher pour aller servir dans la palais du roi. Aller marcher, marcher pour aller être là-bas, dans la palais du roi. Non, mes bien-aimés, tu ne peux pas aller marcher, marcher. Pour servir à la palais du roi. C'est pour cela, que le roi de Babylone a insisté, a insisté que les qualifications, que celui qui veille travailler dans sa palais, celui qui veille être dans sa palais, il devait être sans défaut. Il devait être sans tâche, beau en tout. Et la parole nous dit dans le livre de l'Évêtique que les sacrificataires, la, la parole nous dit, les sacrifices et la personne qui servent dans le sanctuaire ne devraient pas avoir de tâches. Alors Daniel et ses compagnons, ils se trouvaient sans tâches, mes bien-aimés. Sans tâches. En regardant cette parole, en regardant cette histoire, on voyait que Daniel et ses compagnons, ils étaient des sacrifices vivants pour Elohim alors qu'il faisait face au défi de l'empire babylonien regarde toi mes bien-aimés tu y as une tâche quelque part dans ta vie tu y as une tache quelque part o nanatash moko o mais la parole Elohim a biso o nanda ko ya mkonzi esengel na été azala na defo esengel na azala na tache yo moko mitala tâche, et en revenant encore, en voyant que quand ils ont choisi des jeunes gens Israël, Israélites, ils étaient beaucoup, mes bien-aimés. Ils étaient beaucoup qui ont été qui ont allé pour servir, qui ont été allés pour manger la nourriture du roi, qui étaient précipités pour manger la nourriture, pour manger. Ce qui roi avait demandé, c'était principités pour toucher à la nourriture du roi. Ils étaient principités pour manger ce qui roi avait interdit. Mais les quatre jeunes hommes, Daniel et ses amis, mes bien-aimés, la parole nous dit ils ont refusé d'être souillés par la nourriture du roi. Ils ont refusé d'être souillés, mes bien-aimés. Regarde-toi, regarde-toi toi-même. Comment tu marches avec Dieu? Comment tu marches, mes bien-aimés Quelle nourriture que toi tu manges C'est qu'est-ce que toi tu touches, mes bien-aimés Regarde-toi, en côté de toi. Daniel a dit, ne m'oblige pas de souiller, d'être souillé par les maîtres. D'être souillé à ce qui est abominable. D'être souillé à ce qui est abominable, mes bien-aimés. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de toucher nos mamans. C'est que vous êtes en train de mettre dans vos têtes, les cheveux qui sont en train de sacrifier à l'air Dieu, à l'idole, à, à mes bien-aimés, c'est ça que vous trouvez bon de mettre dans vos têtes, mes bien-aimés. Et après, vous passez devant pour prêcher au peuple de Dieu pour prêcher mes bien-aimés regardez ce que vous êtes en train de faire contre ba côté ne se sala mes bien-aimés ba sou qui ont interdit o bazo pesa la banzambe na bango o bazo pesa na bikeko yango biloboza ko zoa bozo chanami tout bozo benga sou naturel o bozo chanami tout mes bien-aimés est-ce que c'est normal tant que bana na nzambe Tant que peuple de Dieu. Et la parole nous dit Daniel et ses amis, ils ont resté fermes à leur foi. Ils ont resté fermes dans leur foi. Et ils ont honoré Elohim dans chaque décision de leur vie. Ils ont honoré leur Dieu. Et à la fin, Elohim l'a fait grâce. Elohim a fait grâce. Comme la parole nous dit la sagesse rend les sages plus forts Que disent. Gouverneur dans une ville, c'est ça qu'il y avait à dire, à faire, mes bien-aimés. Le roi Nobukondolozo a trouvé Daniel et ses amis dix fois supérieurs que les magiciens et les astrologues qui étaient dans son royaume, dans son royaume, mes bien-aimés. Qui peut le faire si ce n'est Elohim? Qui peut le faire, mes bien-aimés? Tant nous te donnons Yahweh, tant nous te donnons colonne à Bômo Inabiso, nettoie comme monnaie Yahweh à Kossala, mes bien-aimés. Repentons-nous, mes bien-aimés. Repentons-nous, mes bien-aimés. Repentons-nous. Même Yeshou avait dit que l'homme ne vivra pas du seulement. mais de toutes les paroles qui sortent dans la bouche de l'Éternel. L'homme ne vivra pas du seulement, mes bien-aimés. Et là qu'on y discute aux allaknango. Et là, on dit que c'est un monde à qui pour la vie. Et là, on dit que c'est un monde qui a vivre. Et là, on dit, mes bien-aimés, la nourriture. Non, mes bien-aimés. La nourriture, t'es mes bien-aimés, c'est la parole de Dieu. C'est la parole du Tout-Puissant. Mes bien-aimés, arrêtons-nous de toucher ce qui est abominable. Arrêtons-nous, mes bien-aimés. Arrêtons-nous de toucher ce qui est abominable. Revenons dans la parole de Yahvé. Marchons selon la parole de Dieu. Ce que Dieu a dit, vous ne devez pas les toucher. Mes bien-aimés, tu ne peux pas les toucher parce que ton Dieu a refusé. Parce que ton Dieu a dit ne touchez pas. Alors tu ne peux pas les toucher, mes bien-aimés. Tu ne peux pas les toucher. repentons nous mes bien-aimés. repentons nous repentons nous Jésus-Christ revient bientôt. Elohim revient bientôt, mes bien-aimés. Yeshua a dit, Père a dit, dans le livre d'Exode de 20, la quatrième, c'est le dixième commandement. Je dois seulement toucher le quatrième commandement. C'est ça, c'est ça. Que les gens n'aiment pas, qu'on parle de ça, mes bien-aimés. Que les gens n'aiment pas. Daniel a refusé de marcher selon la voix des hommes. Mais vous, vous êtes en train de marcher selon la voix des hommes. Yeshua a dit, Père, c'est dit. Souvenez-vous des jours du sabbat pour les sanctifier, mais qu'est-ce que les hommes font? On dit non, on ne peut pas marcher selon la voie de Dieu, on va marcher selon la voie des hommes parce que ce que Elohim a dit, c'est déjà le passé. Maintenant, nous sommes dans, je ne sais pas dans quel temps que vous pouvez appeler vous-même, mais c'est ça qu'on dit, mes bien-aimés, que notre Dieu ne change pas, notre Dieu est toujours le même. Le Dieu qui a travaillé, qui a marché avec Daniel et ses amis, c'est le même Dieu qui est aujourd'hui. Le Dieu qui est avec Abraham, Isaac et Jacob, Israël, c'est le même Dieu qui était aujourd'hui, mes bien-aimés. Je vais seulement nous demander une chose, mes bien-aimés. La parole nous dit: ils ont pris beaucoup de jeunes gens Israélites d'être formés ou d'être enseignés pour devenir des travailleurs à la palais royale. Ils étaient beaucoup. Mais dans tout le nombre qu'ils ont pris, ils ont seulement quatre personnes que le roi avait accepté. Il avait seulement quatre personnes. Les gens qui ont obéi à la voix d'Elohim. Il était seulement quatre personnes qui ont obéi. Et puis je vais seulement regarder encore un peu dans l'histoire de Noé. Dans toute personne qui était dans la ville. Seulement huit personnes, mes bien-aimés, qui ont été entrées la l'arche de Noé. Seulement huit personnes. Est-ce que tu es sûr que parmi ces quatre-là, toi tu es une parmi eux? Ou bien parmi les huit personnes qui étaient entrées dans l'arche, toi tu es parmi eux? Ou bien aussi, si cent personnes, mes bien-aimés, qui ont été allées à la chambre honte, en train d'attendre le Saint-Esprit, est-ce que toi tu peux être parmi eux Pose-toi des questions, mes bien-aimés. Si cinq, cinq, sages, cinq vierges femmes, des sages-là, qui étaient allées à la rencontre de l'époux, est-ce que toi tu peux être parmi eux Dans ta façon de travailler, dans ta relation avec Elohim, mes bien-aimés, revenons. Réveillons-nous. Mes bien-aimés, repentons nous Yeshua revient bientôt. Yeshua revient bientôt. Yeshua revient bientôt. Yeshua revient bientôt. repentons nous mes bien-aimés, pour être sauvés. Pour être sauvés, Yeshua peut venir dans quelques temps, dans quelques minutes, mes bien-aimés. Ce n'est pas ce que vous êtes en train de faire, mais de marcher selon la parole de Dieu. Comme David a dit, mieux vaut pour moi. La loi de ta bouche, que mille objets d'or et l'argent. Aujourd'hui, les gens n'aiment pas la loi de la bouche de l'éternel. Aujourd'hui, les gens n'aiment pas la loi de la bouche de l'éternel, mes bien-aimés. Ce que les gens aiment, c'est la foule. Ce que les gens aiment, c'est l'objet d'or et l'argent. C'est ça que les gens aiment. Ils ont pris. La loi de la bouche de l'éternel, ils ont mis à l'air d'eau. Ils ont dit: non, 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 on ne veut pas les suivre. On ne peut pas marcher selon la parole là. On ne peut pas marcher selon la parole du Tout-Puissant. Ce qu'il a dit, c'est déjà passé. Ce qu'elle a dit, c'est déjà passé, mes bien-aimés. Qu'est-ce que vous racontez? Elohim a dit: j'ai leur donné mes commandements, j'ai leur donné ma loi. J'ai leur donné mes sabbats pour être signes. Je vais lire dans Ésaïe dans 20, 11 à 12. Il dit J'ai leur donné mes prescriptions et leur fit connaître mes ordonnances que l'homme doit mettre en pratique afin de vivre par elles. Si on met la parole d'Elohim en pratique, on va vivre par elles. Comme Daniel et ses compagnons, comme Daniel et ses amis, ils ont resté, ils ont tenu ferme dans leur foi. Ils ont honoré Elohim dans leur décision. Après, à la fin, mes bien-aimés, nous connaissons la fin. Nous connaissons la fin. Ils ont été choisis par les rois. Ils étaient choisis de travailler à la palais royale. Ils étaient choisis de travailler à la palais royale, mes bien-aimés. Bien. Malgré tout, ils ont refusé de manger la nourriture du roi. Malgré tout, ils ont refusé d'être souillés par la maître du roi. Et de boire des vins du roi. Mais à la fin, comme ils ont honoré Elohim, Daniel et ses amis, ils ont travaillé. Ils ont été choisis de travailler à la maison du roi, mes bien-aimés. De travailler à la maison du roi. Ce n'est pas la nourriture, mes bien-aimés. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Nana mes bien-aimés. Nana tonga. Kaka oyo -azakondima. A kondima, pe azokoneto la yavi, yo kokota, me be meto benemeto boaka ba charge, rejetons-nous nos charges, bien-aimés. rejetons nos charges, pour entrer dans des portes étroites. Qui peut entrer? Tu es sûr que tu peux entrer dans tes comportements? Tu es sûr que tu peux entrer dans ton désobéissance? Tu es sûr que tu peux entrer dans tout ce que tu as fait de terre? Tu es sûr que tu peux entrer. Mes bien-aimés, repentons-nous, repentons-nous, repentons-nous. Le cerner revient bientôt, Yahvé revient bientôt, mes bien-aimés. Ce n'est pas la nourriture, mais nous devons tenir nous fermes dans notre foi et honorer Elohim dans chaque décision de notre vie. Si nous marchons selon Elohim, si nous lisons cette parole sainte, ce qui nous fait la parole de la Bible, mes bien-aimés, nous devons marcher selon la parole de Dieu. Sinon, dans la là comme Yeshua avait dit, que beaucoup viendront pour me dire, Seigneur, Seigneur, je vous dirai, je ne vous, vous ai jamais connu. Mes bien-aimés, ne tente pas, causez la thé, cause la la tête, cause la thé, la tête, cause de yo mes il y a se préparé. C'est ça des moments. Il y a Mes bien-aimés, revenons. Que le Père Saint vous bénisse. Que le Père Saint vous bénisse, mes bien-aimés. Partout où vous êtes. Partout où vous nous trouvez. Que les saints d'Israël vous bénisse. Abonnez-vous massivement dans notre chaîne. Vous êtes libres, mes bien-aimés, de vous abonner à notre chaîne YouTube. Jesus Christ the King of Hearts. C'est bien moi. La prophétesse Nathalie Adassa par la grâce du Tout-Puissant. Nos contacts sont là. Si vous, vous voulez nous contacter par WhatsApp ou par email, soyez libres. Mais ce que je veux seulement vous dire, c'est que Yeshua revient bientôt. Yeshua revient bientôt. C'est mieux pour nous de marcher selon la parole du Tout-Puissant et non selon la parole des hommes et bien-aimés. Gardons contact. Jésus revient bientôt. Je vous salue. Toutes les personnes qui étaient contact, euh, connectées des serviteurs des servants de Dieu tout-puissant, je vous aime beaucoup, que le Saint-Esprit vous bénisse. On se revoit à la prochaine. Bye bye. 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 bye.